Messieurs, dames, ici Gloob de Gloob Gaming, on se retrouve sur Pharaon. Donc on avait fait le sud de Dashur lors de l'épisode précédent avec la pyramide qui était à moitié molle là. Et du coup, bah là, on va faire la partie de Bouen. Donc c'était le choix alternatif. Donc à l'attaque! Notre nouveau pharaon, Snofrou, souhaite que la quatrième dynastie connaisse le plus grand règne de l'histoire égyptienne. Dans sa politique d'expansion au sud du royaume, il a décidé d'envahir la Nubie afin d'y construire une citadelle à Bouen, près de la deuxième cataracte du Nil. Vous devrez alors ériger un obélisque de granit pour montrer au reste du monde que cette région appartient désormais à l'Égypte et à son pharaon. Le granit étant absent de cette partie méridionale de l'Égypte, il vous faudra importer la roche depuis la cité d'Abou. À Bouen, vous devrez affronter de féroces guerriers nubiens qui se battront jusqu'à la mort pour empêcher la construction de cet avant-poste sur leur territoire. N'ayez crainte, après un entraînement rigoureux dispensé à l'académie militaire, vos soldats seront prêts au combat. Nos ingénieurs militaires ont par ailleurs mis au point différentes armes défensives telles que des tours fortifiées, des murs et des corps de garde. Ces dispositifs serviront à repousser les attaques de l'armée nubienne. Vous pouvez, le cas échéant, utiliser des navires de transport de troupes pour ramener rapidement vos soldats sur le lieu des combats. Au nord, nous avons établi des relations commerciales avec la cité d'Enkomi sur l'île de Chypre. Cette région est réputée pour ses réserves en minerais de cuivre, un métal dont nous faisons une grande consommation. Grâce à l'installation d'une exploitation minière à Serabit Kadim, dans le désert du Sinaï, nous sommes cependant en mesure d'importer du cuivre à un prix bien inférieur. Mais l'exploitation de Serabit Kadim est régulièrement prise pour cible par les Bédouins et les Cananéens, et nous craignons que les forces égyptiennes sur place ne puissent contenir ces attaques répétées. Un somptueux monument funéraire dédié au pharaon est actuellement en cours de construction sur le site de Dashur. Pour mener ce projet à terme, le pharaon vous demandera de veiller à l'approvisionnement du site en blocs de calcaire. Alors, ça va être une partie compliquée, je pense. Donc, il faut construire un obélisque, 3000 de pop, et ensuite les stats qu'il faut. Mais le truc, c'est que apparemment, c'est une partie de combat. Donc, on va voir. Donc là, il y a des champs. Là, j'ai vu des autruches. Là, il y a des fleurs. Il y a de quoi faire des trucs là. Est-ce que c'est de l'or ou du pognon? Enfin, du pognon ou du. Oups, du pognon ou du cuivre, je sais pas. C'est du pognon. Ok. Militairement, qu'est-ce qu'ils nous disent? Alors, je sais pas si ça sert vraiment les tours et tout, parce qu'en soi, avec la nouvelle. Si, ça a l'air de servir. Alors je ne sais pas du tout comment fonctionnent les combats, peut-être dans cette mission ça va changer, je sais pas. Je sais pas. Si. J'ai aucune idée en vrai. Parce que si c'est toujours la thématique à la con, bah ça sert à rien quoi, les tours et tout. Par contre ce que je vois là, c'est qu'on ne peut pas passer à travers. C'est-à-dire qu'il va falloir bien réfléchir au niveau de l'or pour foutre son palais quelque part d'un côté mais pas de l'autre. Parce que là, du coup, je pense que ces mines-là ne serviront pas, mais celles-ci serviront. Si je mets le palais par là ou par là. Il va falloir aussi observer, du coup, l'obélisque. Qu'est-ce que ça coûte? Pas grand. 100, au total, 100 de granit. Ok, soit. Pas énorme. On peut produire du calcaire, par contre. Ok, en revendre, même si on n'en a pas besoin. Avec de bateaux, gna. Bon. Bon. Niveau dieu, on a quoi? 7, taille 7. Ok, bon, ça va. Avec dieu 7 en principal. Ok, et niveau ressources? Oula, pas mal de commerce. Donc là, ils vendent du poisson, ils achètent de la bière, gna. Maritime.
à route de commerce classique pour Servit Kadim. Ils vendent du cuivre. Ok. Eux, ils achètent des briques et de la bière. Duc. C'était quoi, une route maritime ou classique? J'ai même pas vu. Route maritime, Burke. Route maritime aussi. Eux, ils vendent par contre pas mal de choses. Ils achètent aussi de la bière. Putain, il y a beaucoup de monde qui achète de la bière. Eux, ils... route classique de commerce. Nice. Et ils achètent les poteries. Et eux, ils achètent aussi de la bière. Putain, et route classique de commerce. Est-ce qu'on peut faire de la bière au moins? On peut faire de l'orge, donc on peut faire de la bière. Ok, et eh ben très très bien ça. Très très bonne info. Bon, bah je vais me débrouiller comme d'habitude, et puis on se retrouve juste après quoi. Alors, c'est assez complexe ce que j'ai fait. Parce qu'il y en a de partout. Il y en a littéralement de partout, mais j'ai pas le choix. Déjà, faut qu'il y en ait au minimum un peu là et là. Enfin, j'ai aucune idée déjà d'où les gens arrivent. Quoi, vu qu'ils doivent arriver par là, vu que c'est la route du royaume. Ils doivent arriver par là, bref. Premier truc que j'ai setup, c'est le palais au plus proche des mines d'or. C'est-à-dire là et là. Donc j'ai soit le palais, je le foutais là, mais ça m'empêchait d'exploiter à mort le... Enfin, d'exploiter au mieux le guet. Et là, c'est à peu près à la même distance, on va dire. Même sur ces mines-là, c'est un peu plus proche. Sur celle-là, un peu loin, un peu moins. Donc je pense que ça s'équivaut. Ça va pas trop être gênant. Mais du coup, j'ai mis le maximum de mines d'or possible, donc 8. Je vais pas en mettre une ou deux là, parce que sinon, il faudra qu'ils fassent tout le trajet machin, hop. Et que la charrette revienne pour récupérer l'or qui aura été déjà récupéré, enfin, déjà créé, donc ça vaut pas le coup. Donc voilà. Donc, pour les mines, celle-ci. Là, vous avez l'air de rien comprendre, là, je pense, par rapport à ce setup, mais faut pas s'inquiéter, en vrai, c'est pas si compliqué que ça. Je peux faire, même si rajouter un autre... Enfin bref. En gros, c'est hop, ce setup qui... Ouais, j'ai quand même rajouté un autre barrage, mine de rien. Hop. Donc, ces mines-là et ce poste d'architecte auront l'accès à la main-d'oeuvre par là. Tout ça, là, ce chemin-là, ces mines-là auront l'accès à la main-d'oeuvre par là. Donc ça, c'est juste un L, une ligne, en fait. Hop. Avec la base, l'appareil, la base. Et à côté de ça, du coup, il y a un grenier au milieu pour assouvir les besoins des deux bazars là. J'ai mis des mecs de chasse ici, des pavillons de chasse là, pour qu'ils aient juste à transférer au bazar de manière la plus rapide possible. Là ici, comme il y a obligatoirement besoin de maison pour ces embarcadères là et pour avoir l'accès aux autruches. J'ai ajouté aussi deux trucs de chasse là avec le grenier associé. Là, juste un petit truc de chasse avec le grenier associé, techniquement, et le bazar. Techniquement, toutes les zones ont leur pavillon de chasse et ont leur grenier. Donc, normalement, on devrait s'en sortir. Et déjà, on va commencer là-dessus. Voilà. Et déjà, j'ai plus de pognon alors qu'il y en aurait besoin, bien entendu. Mais bon, c'est pas bien grave. Les mines d'or devraient nous en fournir. Ensuite, j'ai pas rajouté ma maison perso. Est-ce que ça compte vu que c'est une mission personnalisée? Est-ce que j'ai les sous ou pas? Il faut que j'ai des trucs dans les coffres. Zéro dans les coffres. Non, j'ai pas de sous de la mission précédente. Ça sera uniquement une mission sur deux dans la campagne, du coup. J'aurai plein de sous pour me servir. Donc voilà, on va espérer que les mines d'or nous fournissent suffisamment de pognon pour commencer. Et je préfère utiliser les pavillons de chasse plutôt que la ferme en récolte, genre les pois chiches. Parce que c'est beaucoup plus efficace, la chasse, plutôt que les chantiers et la ferme. On est beaucoup moins dépendant d'une île et tout. Les premières mines d'or qui commencent à effectuer leur taf, c'est cool. Il me faut encore 110 travailleurs supplémentaires. Incroyable. C'est pas étonnant en vrai, en même temps. Mais là, de toute façon, tous les gens vont arriver, donc petit à petit, ça devrait. On devrait gérer ça sans trop de problèmes. Là, par exemple, on a déjà des maisons qui manquent juste de culte. Donc, on va rajouter directement déjà un petit temple. Temple de Ptah et de Seth. J'ai pas trop envie de le mettre là parce que ça fait fonctionner la marche forcée d'un côté. Ceci dit, je peux faire fonctionner la marche forcée comme ça. Hop. Comme ça, quoi qu'il arrive, il va faire le tour. En plus, les dieux sont contents.
Et je vais peut-être mettre un petit temple par-ci, un petit temple par-là. Donc là, j'ai mis 7. Donc il faudra que je mette Pta. Hop. Ça, c'est qui? C'est Pta ou c'est 7? Je sais même plus. Ça, c'est 7 et c'est mon dieu principal. Donc je vais en mettre un autre de 7 ici. Voilà. Et là, regardez. L'or qui commence à arriver. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Ensuite, on commencera à faire pas mal de bières pour enfin récolter l'orge et quelques brasseries pour se faire du pognon. Pour vendre les bières en masse. Là, on est sur une session dans laquelle la vente de bières fonctionne plutôt pas mal. Donc à faire aussi, je vais rajouter les percepteurs pour les impôts. Commencer directement à prélever nos habitants, nos concitoyens, comme on dit dans le jargon. C'est-à-dire qu'ils sont ravis. Je le sens. Ils sont ravis de participer à l'effort collectif. Oui, c'est vrai aussi que comme on est sur une partie militaire, va falloir quand même qu'on se concentre un petit peu sur la défense. Sinon, on ne va pas être très très bien, quoi. Je vais rajouter un ou deux étals. Ça me permettra d'avoir le minimum de tourisme et de loisirs nécessaires au début. Avec quelques écoles de jonglerie aussi. Ah, c'est ça que j'ai oublié, les médecins. À chaque fois, j'oublie les médecins. Toujours, 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 toujours. Parce que c'est pas nécessaire, on peut jouer avec le feu. Merde, j'en ai mis deux. Ah, je peux pas annuler. Parce que je joue avec le feu et on tente toujours, quoi, mais oui. Il nous en faut un là, il nous en faut un là, il nous en faut quatre, effectivement, vu qu'on a quatre quartiers. Et pourquoi pas par là. Bon, on commence à se faire un petit peu de sous, très 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 légèrement, mais c'est déjà ça. Donc on va pouvoir commencer à s'occuper du reste. C'est-à-dire déjà, le plus important, je pense que c'est le militaire. Donc Seth qui me le rappelle qu'il nous terrassera les ennemis. C'est cool. On va rajouter un petit centre de recrutement au milieu, là, dans une zone qui ne sert à rien, avec un petit fort quelque part où c'est pareil, ça... Où il n'y aura pas trop de problèmes. Quelle zone je ne peux ne pas exploiter? Bah, par exemple ici, là, un petit fort d'archer déjà pour commencer. Ça coûte rien. Enfin, ça coûte si du pognon, mais ça coûte rien en termes de ressources. On aura au fur et à mesure du temps un petit peu de soldats qui arriveront. Alors là, j'ajoute pas mal de fermes d'orge. Je vais essayer d'en rajouter aussi d'autres. On va se faire masse bière. Comme ça, on pourra en vendre masse et se faire plein de sous. Et ensuite, on sera tranquille pour le reste de la partie, je pense. Merde. Faut qu'on laisse un petit peu de trucs à l'intérieur pour justement les irrigations. Hop. Merde, il leur faut du calcaire. On accuse réception et on va pleurer. On va pleurer. Bah, on va tout de suite faire de la prod de calcaire vite fait. D'une manière ou d'une autre. Avec deux mines là, de carrière plutôt. Allez, on accepte le calcaire, du coup, deux petites mines, un petit entrepôt qui va avec, et voilà. Et là, du coup, on reprend notre truc, notre irrigation, zone d'irrigation ferme, tout ça. Donc là, je pense qu'on devrait avoir assez d'orge avec tout ça, mais bon, dans le doute, on va quand même en mettre d'autres. On aime ça, le pognon. L'avantage, c'est que les fermes, comme encore une fois, elles ne s'écrasent pas, donc elles ne détruisent pas. C'est trop pratique, pour le coup. Vraiment, vraiment pratique. Par contre, il va me falloir une autre zone de main-d'oeuvre, genre par là. Donc je vais rajouter un petit village, genre par là, pour avoir un petit peu de vie à exploiter. Pour fabriquer, justement, de la bière. Ah, par contre, je viens de penser à un truc. C'est bien beau tout ça, mais... je peux pas mettre de l'eau là. Donc si je peux pas mettre de l'eau, c'est compliqué. Donc va falloir peut-être que j'utilise une marche forcée juste pour de l'eau. Donc qui dit ça, il dit que ça pue et ça va être chiant. Alors voyons voir si je peux faire ça. On va faire sortir par le haut. Hop. Tuc 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 tuc. C'est chiantos hein. Comment je peux faire? Remaniement. Ok, je veux en savoir. Ça sera juste une petite zone de main d'œuvre à la con. Donc, on va mettre plusieurs trucs. Le bazar aussi. Hop. Taille ça en marche forcée.
faire gaffe à ce que rien ne touche ça. Donc là, techniquement, j'ai des habitations. Il me faudrait peut-être aussi que j'en mette par là. Comme ça. Il va me falloir aussi... 2-3 trucs de pompiers et trucs, police. Comment je peux faire? Si, je peux faire à la rigueur juste comme ça pour éviter de faire une grosse boucle. Et comme ça, je peux quand même connecter les... Là, sur la... Grâce aux maisons qu'il y aura à cet endroit-là, comme ça, plutôt. Là, je peux quand même récupérer de la main-d'œuvre en ayant juste des trucs comme ça, là. Des routes à proximité. Et voilà. Donc, du coup, pompier, police, architecte. Et tout là aussi, je peux faire de la zone de... Au final, la zone de... De main-d'œuvre. Rien ne m'en empêche. Ensuite, le fort, il vire... Il touche juste au bon endroit, quoi. En termes d'attrait. Donc, c'est cool. Bon, voilà. Là, j'ai rajouté pas mal de pompiers architectes dans la petite zone de trucs, de main-d'œuvre. Donc là, accepter l'orge. Ici. Peut-être même un deuxième, d'ailleurs. Accepter l'orge parce que j'en aurais pas mal. Vraiment, on va faire full bière, quoi. De malade, et là on va faire masse brasserie, donc des brasseries, en veux-tu, en voilà. Et je livre le calcaire, du coup, hop, tac, nickel. Je vais commencer aussi à ouvrir les routes de commerce pour la bière. Donc, non, une route maritime, ouais, 2500, ils en achètent 4000 de la bière. D'abord, eux en vendraient énormément. Allez, eux aussi. Et tu pas eux. Et eux éventuellement 300, ouais, en plus. 1500 bières, c'est correct. 15 bières. Il va me falloir du coup un dock spécialisé pour la bière. Littéralement. Et ben le voilà, le dock bière. Donc dock bière, vendre bière. Merci. Et là, du coup, je vais me rajouter un petit entrepôt juste là qui obtiendra la bière d'une manière ou d'une autre. Bière, tout remplir. Hop, là, commerce de bière. Et du coup, dans mes raccourcis, vendre la bière. Exporter. Voilà, dès que j'ai de la bière, j'en vends. Déjà, ça va pas mal me libérer. Par contre, là, il me manque encore 300 travailleurs, donc il va falloir que j'augmente un peu mes quartiers, genre là, je rajoute des gens. Partout où je peux, je vais rajouter un peu de gens, quoi. Parce que il va y en avoir besoin, je pense. Ah, ça y est, on vient de passer les fonds d'urgence. Je m'en étais pas rendu compte, c'est en construisant une statue que je me suis ruiné. Aïe, aïe, aïe. Magique. Magique vie. Mais bon, c'est pas bien grave. C'est pas si grave que ça en soi, donc ça va aller. Je vais rajouter une académie aussi militaire pour... Pour avoir des meilleures troupes. Apparemment, en fait, quand les troupes passent par l'académie, elles gagnent un peu d'expérience avant d'aller combattre directement. Je peux exporter de l'orge aussi, je vais l'exporter des surplus. Alors, je sais pas par contre si c'est voie terrestre ou voie maritime. Maritime. Et maritime aussi. Ok. Maritime l'orge, donc il va falloir aussi que l'entrepôt accepte l'orge un petit peu. Ah, bah une requête de bière. Bah du coup, je vais directement la livrer. Étonnant, mais plutôt bonne nouvelle. Avant qu'on commence à le vendre. Du coup, le petit obélisque, je vais le rajouter... Ouais, je sais pas où c'est que je vais construire. Ah, en fait, ça coûte rien, mais il faut quand même avoir sans de granit pour pouvoir le poser. D'accord. Il n'y a pas de besoin de guilde, de machin, de... Non, il y a marqué guilde tailleur de pierre, je sais pas. Mais il y a marqué qu'il faut 100 de granit pour le poser. Ok. Et ben on va commencer à importer du granit aussi. Ah, les navires de trucs qui arrivent. Les navires de commerce. Ceux qui achètent ma bière directement déjà. Alors, tout, où c'est que je vais pouvoir qui me vend du truc.
Ok, c'est Abou qui vend le granit, donc je vais ouvrir une route de commerce avec eux, confirmé. Et tic-tic-tic, ils achètent rien de spécial en vrai. C'est une route de commerce terrestre en plus, je crois. Pas vu. Ouais, terrestre. C'est-à-dire que je peux me faire un petit atelier tranquille sans trop de soucis, quoi. Requête de calcaire, hop, on la livre. Et du coup, je vais acheter du granit, importation jusqu'à 100. On veut pas plus, hop. Donc voilà. Faudrait aussi pouvoir commencer à importer d'un peu d'argile pour pouvoir améliorer nos maisons. C'est pas mal, mais le problème c'est que c'est beaucoup d'efforts pour. Est-ce que pour grand chose, pas si sûr que ça quoi. Ensuite, on peut toujours revendre des poteries, bien sûr, mais bon. Bon, du coup, j'ai rajouté des poteries, je vais importer des poteries là. Enfin, de l'argile là, et du coup, bah voilà, je vois des poteries et tout. Ok, cool, on a commencé à acheter du granit. Cool, pas mal. J'ai rajouté un deuxième fort d'archer, cas où on nous attaque. Et pourquoi pas des brasseries, parce que là, on va en avoir, je pense, très besoin, très beaucoup. Je vais rajouter aussi des gens, parce qu'on manque de population. Un petit peu par là. Et deux, trois temples également. Par contre, l'avantage, c'est que financièrement, on recommence, enfin, on commence à être plutôt bien, donc plutôt même très bien en réalité. Bon, le truc là, c'est qu'on produit vraiment beaucoup trop d'orge par rapport à ce qu'on devrait en avoir besoin. Clairement, clairement. Donc, ensuite, toujours produire toujours utiliser des petites brasseries en mode marche forcée, ça aide toujours, mais bon. Ah, on est peut-être un peu overkill, je pense. Ah, les premières poteries qui commencent à sortir de terre. Du coup, je vais acheter des poteries pour quelle zone? Peut-être ici, c'est la plus grande zone au final. Allez, acheter, hop. Tac, tac, tac. À tous les coups, en plus, le guet, il fonctionne pas. Je vais reconstruire le guet. Ok, il y a la cité de Serra Pitkadim qui va être en train d'être attaquée dans 8 mois, donc on peut fournir des troupes, apparemment. Hop, donc je vais envoyer mes deux compagnies. Et vous voyez là, il y a une des compagnies, il y a une petite étoile. Donc elle a un niveau d'expérience. C'est parce qu'elle a utilisé, parce qu'elle a, elle est passée par l'académie. Donc ouais. Par contre, ouais, il y a bien un problème de guet là, de traversée. C'est que le guet ne fonctionne pas étonnamment. Je ne sais pas pourquoi. Ça, c'est pareil. Il fonctionne en fait pour les gens qui ont besoin de passer de type chasseur ou paysan, immigrant. Mais pour les gens qui doivent passer par des routes, ça fonctionne pas. Alors, pourquoi? J'en ai aucune idée. Mais la bonne femme du bazar ne va pas chercher ses poteries, quoi. Ça, c'est clair. Alors que celui-là fonctionne, techniquement. Celui-là, il fonctionne. Je pense. Oui, c'est sûr, parce que lui, il y avait, j'avais demandé de remplir ce grenier-là. Et lui, la charrette allait chercher au début dans celui-là. Alors que lui, j'avais demandé aussi de remplir à un moment, sauf que la charrette passait pas par la traversée. Quelle belle cuisse de poulet. Et là, il y a que les chasseurs qui passent, donc faut enfin, je trouve une solution encore une fois. Ah, il y a bien un problème de transport. Je sais pas comment gérer ça. Bon, bah soit, bah tant pis, cette zone-là n'aura pas, je pourrais pas, par contre, transférer la bière d'un côté à de l'autre, mais ces personnes-là n'auront pas de poterie. Je vais en donner plutôt par là, du coup c'est à côté au moins. Hop, on livre le calcaire, on est content. Ah par contre, il nous faut de la culture, et pour la culture, c'est avoir les maisons un peu plus évoluées. Donc on va augmenter ça. On va augmenter ça avec, bah, avec tout ce qu'il faut, donc un petit dentiste dans chaque. On va voir maintenant si je choisis de rajouter un entrepôt là qui devra remplir la poterie. Est-ce qu'il va réussir à la tirer ou pas? Je sais pas. Surprise. Parce que les livreurs avaient l'air de réussir à traverser, à voir. Tu regardes bien? Là, quand ils sortent du quai, ils passent par là pour faire le tour alors qu'il n'y a pas de route. Regardez. Ils font tous ça. Donc c'est peut-être ça le problème. Donc le problème c'est peut-être celui-là. Je vais supprimer le truc de chasse. Je vais juste décaler la route d'un cran comme ça. Je vais supprimer l'autre truc de chasse aussi. Comme ça. Et je vais rajouter bah, les trucs de chasse juste là du coup. Par contre on a échoué à Serabim Kadit machin. Hop.
La ville est tombée aux mains de l'ennemi. Pas cool. Ah, regardez les poteries. Ah, voilà, tout de suite, c'est mieux, là. Tout de suite, c'est beaucoup mieux. Et là, du coup, il va manquer des distractions. Donc, pour les distractions, on va s'occuper de faire un petit kiosque. Là. Aussi, on va faire... Bah là, on mettra l'école de... Le conservatoire. Cet endroit-là. Là aussi, on peut mettre même un pavillon. Donc, un kiosque. Avec un petit conservatoire par là. Là, c'est pareil. On peut mettre un kiosque ici. Pourquoi non? Ah, un petit kiosque là, nickel. Hop. Et là, c'est pareil, il nous en faudra un quelque part. Alors là, je vais rajouter peut-être un pavillon. Ça rentre, sinon un kiosque. Plutôt un kiosque, du coup. Avec un conservatoire au milieu. Un ou deux. Hop. Par contre, gros besoin de main-d'œuvre là. Mais ça va venir grâce aux améliorations de la zone. Et là maintenant c'est l'attrait qui manque, donc on va rajouter une ou deux statues et ça sera bon. Ok, donc une armée va me rejoindre dans quelques mois là, dans 24 mois, donc il faut que je rajoute encore un petit fort quelque part. Genre je sais pas, moi par là, hop. Bon, maintenant qu'on leur a filé le truc, la bière, on va leur mettre le palais de justice ici, nickel. Hop, on livre tout ça. Là, il va falloir aussi un palais de justice par là. Je sais pas où c'est que je vais le mettre. Le conservatoire. Je vais me débrouiller pour avoir un palais de justice plus un croisement kiosque. Ça y est, on a trois entrepôts remplis de granit. Donc je pense que je vais pouvoir arrêter d'acheter du granit tout simplement. Et on va pouvoir foutre l'obélisque. Alors, j'ai aucune idée de comment ça fonctionne l'obélisque, mais on s'arrête de commercer, hop. Ah non, on en a 96, merde. C'est bien. Tiens, jusqu'à 100. Du coup, il va nous falloir encore un entrepôt de 4. Bah, la rigueur, dans celui-là, j'accepte 4 granites. T'as accepté. Hop, comme ça. Ouais, c'est vrai que 3 fois 32, ça fait 96. Alors, il n'y a pas assez d'école. Il n'y a pas assez de salles des embaumeurs. Pas assez de danseurs. Pas assez de bibliothèques. Pas assez d'école. Bref, pas assez de rien, quoi. Donc, on va faire... il va nous falloir du papyrus pour les écoles et du lin pour la salle des embaumeurs. Donc, une fois qu'on sera débrouillé avec ça, on rajoutera ces entrepôts-là. On va se débrouiller pour qu'ils servent pour le lin et le papyrus. Parfait, parfait pour musicien jongleur, mais pas encore assez bonne pour les danseurs, donc je vais rajouter aussi quelques pavillons où je pourrais. Alors j'ai aucune idée où, mais je vais en rajouter. Là par exemple, ça sert à rien, mais ça peut être... Hop, faut que j'en rajoute encore un autre. Là par exemple, il y a une ferme qui me bloque, je vais détruire une des fermes. Tant pis. De toute façon, vu la pauvre petite fleur sur laquelle elle était, avec une seule fleur, elle devait pas être si fertile que ça. Donc voilà, hop. Et hop. Non, il va falloir que je rajoute des danseurs quelque part. Hop, problème réglé. Alors, là, on a suffisamment de granit maintenant. Bon, je vais arrêter d'en apporter. Et je vais foutre l'obélisque. L'obélisque, où c'est que je vais le mettre? J'en ai aucune idée. Est-ce que ça augmente l'attrait? Je suis pas sûr, hein. Si je le mettais à côté du palais. Ah, j'ai l'impression qu'il faut quand même... Regardez, il y a un petit spot d'entrée, donc on va peut-être falloir le tailler ou je sais pas quoi. Donc on va le mettre dans une zone... où c'est que je pourrais le mettre? Genre là il est super bien placé, je trouve. Dans la ville, il est en plein milieu, donc en plus, il y a l'accès... Ça. Tu pourrais supprimer la route si besoin. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut avec cet obélisque? Il nous faut du bois. Nanana. Il faudra sculpter l'obélisque, ok. Bon, c'est juste avoir un peu de bois et des guildes de maçons et trucs comme ça. Donc, j'ai rajouté une guilde de façonniers, de menuisiers, n'importe quoi, de façonniers, n'importe quoi. Et de tailleurs de pierre par là. En vrai, la guilde des musiciens, je vais la mettre plutôt à côté. Hop.
Pas sûr qu'il y ait besoin d'énormément de tailleurs ni de menuisiers pour tout ça. Je pourrais rajouter une place des fêtes aussi quelque part. Voilà, aussitôt dit, aussitôt fait. Petite place des fêtes, aucun accès. 7, hop, tac. Donc s'ils disent aucun accès, on va juste rajouter un petit accès, voilà. Et maintenant. Il va falloir que j'importe du bois. L'oasis de Selima, route terrestre. Il va falloir aussi que j'importe du lin et des toiles. Du lin et des... et du roseau. Lin, c'est route terrestre, à bout. Et roseau, c'est route maritime. Allez, 3 ateliers de tissage, 3 ateliers de papyrus. Ici. Avec les entrepôts qui sont là, bon, c'est un peu loin, mais bon, de toute façon... c'est pas pour revendre, c'est pas pour faire des sous, c'est uniquement pour utiliser les salles des embaumeurs et bibliothèque, école de scribe. Ok, niveau culture c'est bon, niveau prospérité ça l'est aussi, on a la bonne... maintenant il manque juste du coup le monument, donc faut juste que j'achète le bois correctement et ça sera bon. Ah, combat du coup, comment ça se passe? Bon bah je suis pas sûr que ça serve à quelque chose, les tours, les corps de garde et tout, donc dans l'ancienne version, quand il n'y avait pas cette interface là et que les mecs ils venaient directement détruire tes bâtiments et tout, et tu déplaçais toi-même tes soldats, hop, de là, tu cliquais sur ta compagnie, t'as le petit drapeau, tu l'amenais là, hop, ensuite là fallait un bateau pour traverser et tout, enfin bref, là ça servait. Mais là maintenant les trucs militaires, je suis pas sûr que ça serve, genre... corps de garde, ça normalement ça empêchait de coup de passer les ennemis, mais les alliés pouvaient passer à travers. La tour, bah c'est y avait une sentinelle dessus, ensuite il y avait les murs. Donc voilà, mais bon. Incendie dans la cité, où ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah merde! Mais oui, c'est logique, parce que dans la zone des mines, il n'y a pas de... Il n'y a pas de pompiers, il y a juste un architecte. Chaque fois j'oublie. Et hop, allez, on remet du coup l'école de danse. Et j'ai oublié ce que je voulais faire. Ah oui, rajouter des écoles de scribes, des trucs d'embaumeurs et tout. Une école là. Une école là. Une école là. Là c'est compliqué d'en mettre une, je vais en mettre une là. Là, où c'est que je peux en mettre une? Je vais en mettre une là éventuellement. Et j'ai rajouté une salle des embaumeurs là. Une pourquoi pas là. Ici. Une là. Et une par là. Et là je pense qu'en termes de culture on sera pas trop mal. Bon mon bois il a toujours pas été acheté. J'ai bien mis d'en acheter. Portation des biens requis. Ce que je vais faire c'est un... Portation jusqu'à... Hop. 800. Je vais mettre plusieurs entrepôts qui accepteront le bois aussi. Au cas où. Un dans chaque zone. Au cas où le livreur ne peut pas passer les différents guets embarcadères. Ah ça y est, on a obtenu du bois. Maintenant, est-ce que le menuisier va réussir à obtenir son bois? Ça, c'est pas dit. Mais je sens qu'il y a que les livreurs qui peuvent... peuvent traverser, donc du coup je vais ramener le bois grâce à l'entrepôt là qui va aller chercher à remplir. La partie est plus brouillon que celle que j'ai pu faire sur certaines où c'était très très clean, là c'est un peu dégueulasse, mais bon, ça fonctionne quand même. Ah, le bois est là. Qu'est-ce que maintenant le menuisier va réussir à faire quelque chose? Ça c'est pas dit. Sans que le menuisier, il y a un problème quand même avec. Et on remettra à proximité. Hop. À côté. Ah ça y est, là au moins il y a du bois qui est parti de l'entrepôt, donc ça doit être vers le menuisier, voilà. Lui il a du bois et il produit ses échafaudages, nickel. En fait c'était juste un bug du menuisier, faut croire. Ok, donc il a quasi fini son truc. Qu'est-ce qu'il va se faire ensuite? Normalement il devrait aller vers l'obélisque. Ok, on le voit là, il se déplace. Ok. Bon, apparemment, il faudra beaucoup plus de bois pour des échafaudages, mais on va voir. On va voir. Je vais peut-être ajouter d'autres menuisiers, parce que là, ça prend un certain temps, j'ai l'impression. Donc au moins, si j'en rajoute genre par là, ça devrait le faire.
Ah, je vais rajouter un menuisier. J'ai là et là. Ah, d'ailleurs, j'ai pas mis de chantier aussi. Peut-être que c'est pour ça aussi. Enfin, je vais rajouter quand même un chantier dans le doute. Vu que d'habitude, j'ai toujours des chantiers parce que j'ai des champs. Mais là, j'en ai pas mis. Ça peut peut-être servir. Dans le doute. S'il faut quelqu'un pour tracter des trucs. Là, il y a un autre menuisier qui est passé. Mon travail survivra au temps. Ah, un tailleur de pierre plutôt. Un tailleur. Ah, c'était ça, à mon avis. Il manquait peut-être un chantier, je sais pas. Je me rends au monument pour tailler les pierres. Ok, bah les maçons sont en train apparemment de sculpter les trucs. Ah ouais, regardez. Ah, ça y est, bah voilà, c'est fini. Ok, c'est bizarre. Mais bon, voilà. Bon, difficulté difficile comme d'hab, façon. Vous voyez bien le truc. Victoire, donc l'obélisque qui est fini. Bon, bah soit. C'est pas une mission assez folle. C'était un peu chiantos, mais. Mais ça c'est fait. Du coup, je vous fais des bisous et à bientôt pour la suite. Ciao, ciao, ciao!